Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour Croco Hebdo avec les nouvelles couleurs, en tout cas les couleurs de Nîmes Olympique, le rouge du Nîmes Olympique qui est revenu sur ce plateau. C'est magnifique ça, n'est-ce pas, ce rouge. Vous l'appeliez de vos voeux, cher Patrick Champ. Oui, effectivement, c'est quand même les C'est pour ça que couleurs. du coup vous avez mis le maillot bleu. C'est le maillot bleu parce que c'est le maillot qui sert à l'extérieur et je trouve qu'il est très 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 beau. Il a été offert par Magdan, Monsieur Rotichi, donc je tenais à le mettre parce que c'est un C'est maillot offert qui est aux très anciens du joli. Nîmes Voilà, Olympique, hein. pour les Bon, anciens. Voilà, évidemment, tout à fait. chacun sait, Patrick, le président. Voilà, moi j'ai mis un peu des couleurs du Nîmes Olympique. J'ai Voilà. le maillot de Salahedine Sbahi, voilà, je le mettrai à la mi-temps. Ça va, Salahedine? Ça va très bien, merci. En forme, qui remplace au pied levé notre ami Vincent Granic, qui était prévu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ce matin à l'entraînement? Bah, il y a eu un contact avec un joueur, c'est rien de méchant, c'est juste un contact, donc voilà quoi, il a été Et mis au repos, mais un bel œuf sur le tibia, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est rien, c'est pour Ça, préparer les matchs c'est de rien. vendredi. Ça prépare le match de Voilà. vendredi. Voilà, ça le chauffe pour vendredi. Évidemment, on va parler de ce match ô combien important pour le Nîmes Olympique, cette réception du Mans pour la 11e journée. Alors, Patrick, on va juste faire un petit retour déjà sur la 10e journée. C'était il y a bien longtemps déjà, hein, c'était il y a une dizaine de jours. Avec ce déplacement cruel et ce résultat cruel de Nîmes Olympique, c'était à Tours. On va afficher, hein, les résultats de la 10e journée. Regardez, Nîmes Olympique battu à la 91e, 92e dans ces eaux-là. 92e dans le temps additionnel, donc ça fait toujours très Avec très un mal. but bon, qu'on vous a assez montré, on ne va pas le remontrer. Les Nîmois qui cafouillent un peu derrière et puis qui encaissent ce but alors que, je le rappelle, Nîmes Olympique jouait à 10 depuis 60, plus de 60 minutes, hein, après l'exclusion logique de Moussa Sidibé en début de première mi-temps. Les autres résultats, regardez, on va s'intéresser aux résultats du Mans, qui l'a emporté chez lui face à Sedan. Et puis, donc, derrière, beaucoup de matchs nuls, comme souvent avec cette Ligue 2. La victoire de Clermont chez nos voisins d'Arles-Avignon, la victoire du Gazélec Ajaccio face à Nantes, la victoire à l'extérieur de Caen, Caen qui est redoutable, mais plutôt redoutable à l'extérieur, plus à l'extérieur qu'à la maison, surtout face à Istres qui restait sur un excellent début de saison, et l'AS Monaco qui a du mal, hein, Ça en ce fait deux, moment trois là, matchs ça fait 2-3 qui font matchs, que des les nuls. Galactiques de la Ligue 2, ils ont du mal. Et regardez ce classement. Alors il est intéressant ce classement de Ligue 2 parce qu'il est extrêmement serré. Alors bien sûr, Nîmes Olympique est 19e et ça c'est pas du tout rassurant. 19e après 10 journées avec 10 points. Mais il suffirait pas grand-chose, hein, pour mettre Paris en bouteille, comme qui dirait. Mais regardez, Châteauroux est 8e avec 13 points. 3 petits points seulement de différence entre le 8e de ce classement et le 19e. Hein. Quand on est 19e, on est relégable. À partir de la 10e journée, on peut commencer à en parler comme ça, même si c'est encore largement le début du championnat. Mais Nîmes n'est qu'à une petite victoire de la 8e place. Et Le Mans, qui est le prochain adversaire de Nîmes, est 7e avec 14 points. Et là, il n'y a que 4 points d'écart entre ces deux équipes. Ça veut dire que si Nîmes l'emporte, ce que nous souhaitons tous, vendredi aux Costières, Nîmes revient à un seul point de l'actuel 7e. Il y a vraiment un championnat extrêmement serré. On écoutera d'ailleurs dans un instant le commentaire de Victor Zvenka, le coach du Nîmes Olympique, sur cette Ligue 2. Mais un avis de tous les deux, là, Patrick, sur ce championnat qui réserve chaque semaine des résultats vraiment surprenants. Hein, par exemple, les résultats de Monaco cette dernière semaine. La victoire de Caen qui perd à la maison contre Tours qui était dernier, qui après va en mettre 4 à Istres. Enfin, Ouais, c'est vraiment très surprenant comme championnat. c'est vraiment surprenant, mais c'est surtout que c'est très très serré. Disons que Zenka a été Victor très 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 déçu à l'issue de la défaite, parce que un point ça fait gagner 3 ou 4 places. Donc même les points maintenant vont être très très importants à prendre, puisqu'un point ça permet de gagner 3 ou 4 places. Donc sur les rencontres à venir, c'est vrai qu'il n'y a que 4 points d'écart avec Le Mans qu'on va rencontrer, et c'est un match capital pour les Nîmois pour se resserrer encore ce championnat qui est de plus en plus serré. Hein. Et ça là, sur ce championnat de Ligue 2 que vous redécouvrez, hein, après quelques promenades ici et là, on a déjà parlé, hein, de votre retour dans cette équipe de Nîmes Olympique. Un championnat très serré, comment vous le voyez-vous sur le terrain? Ces équipes adverses, elles sont finalement toutes prenables.
Ben oui et non. Moi, je pense que plus on va, plus la Ligue 2 commence à devenir difficile. Quand on voit toutes les équipes de Ligue 1 qui descendent en Ligue 2 et qui ont du mal à remonter, qui restent en Ligue 2, parce que là, franchement, il y a quand même pas mal de bonnes équipes en Ligue 2. Et d'autant plus que les équipes qui descendent, ben, pensent que c'est un championnat facile. Mais quand on regarde les matchs, c'est vraiment pas facile parce qu'il y a un peu de technique, on va dire. Et du physique en même temps. On voit que quand on voit les attaquants presser les défenseurs, donc il y a de la combativité sur le terrain, c'est pendant 90 minutes, donc c'est pas un championnat facile. Et je pense qu'on va avoir cette année, on va avoir, ben, on va lutter parce que toutes les équipes, elles se vouent. Il y avait pas mal de bonnes équipes et il n'y aura pas de match facile. Tous les matchs vont être difficiles et il faudra ben, mettre de l'envie, mettre de l'agressivité pour pouvoir s'en sortir parce que. Quand on regarde le calendrier de la Ligue 2, je vois pas d'équipe facile. Oui, on Donc, ne voit aucune équipe facile, hein, puisque même les équipes qui sont montées de national, dont Nîmes, mais on voit le Gazélec, on va réafficher le classement, hein, à l'issue de la 10e journée. On voit le Gazélec qui fait d'excellents résultats après un début de saison difficile. On voit que deux équipes, regardez toujours cette fin de classement, Clermont Foot et Sedan sont des équipes qui l'année dernière jouaient la montée en Ligue 1, hein, et qui étaient revenues cette année en se disant ben, on va retenter le coup de la montée en Ligue 1. Et cette année, elles sont complètement scotchées. Regardez, à la 15e place, c'est un monument du football français, c'est le Racing Club de Lens, qui normalement était sorti de ses difficultés avec de nouveau, là encore, l'espoir d'aller chercher la montée. Arles-Avignon, bon, c'est un club récent, mais enfin, qui était en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps. Autre monument du football français, l'AJ-Auxerre, Coupe d'Europe, c'est vrai qu'il Coupe faisait la Coupe, d'Europe, la Ligue des la Ligue des Champions il y a deux Champions, la saisons, Champions League, et c'était. qui, regardez, largement dans le ventre mou du classement. Et regardez tout en haut, Monaco, Caen qui descend de Ligue 1, Dijon qui descend de Ligue 1, le FC Nantes, bon là ça fait un moment qu'ils sont en Ligue 2, mais enfin on imagine qu'ils sont évidemment plus ambitieux. Effectivement, comme vous le disiez, Salah, c'est un championnat assez étonnant, assez curieux, beaucoup d'équipes qui sont largement prétendantes à cette montée. Vous, la montée au sein du Limoges Olympique, c'est quelque chose que vous n'avez jamais parlé là, dans cette saison? Non, parce que c'est vrai que cette année, il faut viser plus le maintien et la stabilité en Ligue 2, parce que quand on regarde le championnat, ça va être un peu compliqué. Donc il faut quand même, je pense, penser à récupérer les points du maintien, qui se voit entre 42 et 45 points, je pense. Et après, de là, essayer de viser autre chose. Mais d'abord, l'objectif principal, c'est de se fixer le maintien le plus rapidement possible, parce que quand je vois les équipes, bon, il y a 2-3 ans, quand j'ai vu bon, Bastia, l'équipe qui jouait très très bien au ballon, quand on voyait au niveau du jeu, je ne voyais pas Bastia descendre. Finalement, ils sont descendus en national. Donc c'était une équipe qui jouait au ballon. Donc cette année, je pense que ça va être un combat du début à la fin. On ne va pas se dire, voilà, quoi, parce que là, c'est vrai qu'on n'est qu'à la 10e journée, mais ça va se, ça, ça, le, comment ça s'appelle, ça va vite se défiler. Et le deuxième tour, il va être plus compliqué parce que là, il faudra aller Là, chercher on des sera dans points le et faire dur, des d'abord, séries. oui. On sera dans le dur. Ce qu'il faut penser, c'est que quand même Victor Zenka, il a bien dit après la victoire contre la Lavande de Guingamp, ça va être des matchs qu'il faut gagner au courage, à l'envie, à l'agressivité et tout. Parce qu'on n'a quand même pas des joueurs qui ont un grand, grand vécu de la Ligue 2. Il ne faut pas rêver non plus. Le public, et ça aussi, il faut qu'il le comprenne, qu'il va falloir s'accrocher jusqu'au bout pour prendre ses points. Mais les points, il faut les prendre dans la maison. Hein, comme on a eu la chance de gagner On deux matchs à reviendra hein, sur ce l'extérieur. match avec Et Salah ouais. et il a Et, été très important hein, dans ce match précédent face à Guingamp. Mais pour rester sur l'analyse de la Ligue 2, moi je vous propose d'écouter Victor Zvenka. C'était jeudi au micro de Christophe Schaie, ce qu'il pense lui justement de cette Ligue 2 ou de cette Ligue 1 bis. C'est parti. Ça fait maintenant quand même 4-5 ans hein, qu'on dit ça va être un championnat de Ligue 2 qui va être compliqué, ça va être tendu, ça va être très dur et tout. Et je me rends compte quand même que bon, le championnat en effet est très difficile, mais cette année sera encore plus difficile que les autres années parce qu'il y a tellement d'équipes qui ont envie de monter. Donc c'est un championnat qui s'est renforcé et qui devient de plus en plus dur. Alors pour la lutte pour le maintien, ben c'est exactement la même chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui font des matchs nuls, qui prennent point par point. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve aujourd'hui avec 4 équipes à 10 points. Il y a 3 équipes ou 2 équipes à 11. Après, derrière, ça va jusqu'à 12, 13. Et donc, c'est vrai qu'on se rend compte que nous qui sommes avant-derniers, et l'équipe qui est 8e au classement ou 9e, n'a 3 points d'avance sur nous. Ça montre que
un match raté, c'est-à-dire, je dirais, notre match contre Ajaccio raté, fait qu'à un moment donné, tu pouvais te retrouver peut-être au classement 8e au lieu d'être avant-dernier. Donc, on savait que ça allait être une année difficile parce qu'on vient quand même de National. Il n'y a eu pas beaucoup de renforts. Il y a des joueurs de qualité qui sont restés. Bon, il faut encore essayer de trouver, je dirais, l'équipe type parce que malheureusement, on a eu quand même pas mal de petits pépins, aussi bien défensifs parce que dans l'axe central, on a quand même quelques joueurs qui, on peut considérer que sont des titulaires et qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc, c'est vrai que quand on veut bâtir une équipe, on dit qu'il faut une charnière centrale solide, il faut une épine dorsale solide. Et ça, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, eh ben, de mon milieu de terrain, j'ai du mal à trouver la bonne composition d'équipe. En attaque, on attendait énormément de Koné. C'est vrai que pour l'instant, il n'a marqué qu'un but. Donc, ce n'est pas non plus de ce côté-là qu'on est en forme. Donc, essayons de rassembler toutes ces forces, de retrouver une base d'équipe. Et je pense que ça va venir avec le temps. Ça vient avec le temps. Il passe en revue. Hein, la charnière centrale, le milieu de terrain, connaît un seul but. Justement, cette charnière centrale, on en parlait tout à l'heure, Salah, avant l'émission. Poulain, oui, a fait, Benoît Poulain, bien sûr, le capitaine, a fait l'essentiel des matchs, mais il n'en a fait que deux avec un même partenaire. C'était avec Miodrag Stozic. Et puis sinon, il a eu droit à Aurélien Bosch. Ça avait plutôt bien fonctionné, d'ailleurs, hein, en début de saison. Il a eu Jonathan Parpex, il a eu Vincent Carlier, il a eu Pierre Boubi. On imagine que ce n'est pas facile pour lui, hein, et de façon générale, d'arriver à trouver des automatismes, hein, comme on dit. Oui, c'est clair. Surtout que, bon, avec tous les blessés qu'il y a, c'est vrai qu'il faut tout le temps composer avec un nouveau joueur. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, il faut de la complicité dans l'axe, parce que moi, j'ai joué dans l'axe, je sais comment c'est. Et il faut avoir de la complicité avec le joueur, savoir ses points forts, ses points faibles, même sur le terrain, comment il se place. Et là, personnellement, il a changé à chaque fois. Donc, ce n'est pas en 3-4 séances d'entraînement qu'il va apprendre à avoir les automatismes avec le joueur en match. C'est un peu difficile. Donc, c'est vrai qu'au niveau du repère, c'est un peu difficile pour lui. Donc, après, je pense qu'avec les retours des blessés, après, je pense qu'après, ce sera plus facile pour lui et pour l'équipe. Parce que, comme ça, c'est vrai qu'avoir une défense centrale qui a l'habitude de jouer ensemble. Après ça, pouvoir avoir les automatismes et surtout avoir de la sérénité, parce que c'est vrai que si on change à chaque fois, c'est même pour les automatismes, tout ça, c'est un peu difficile. Compliqué, que, hein, ouais. Composer cette défense. C'est très compliqué, qui plus est, avec un gardien de but aussi, Merville, qui est quand même, il fait un bon début de saison. S'adapter lui aussi à sa défense centrale, c'est pas évident, parce que bon, là aussi, les automatismes, ils sont hyper importants. Et jusqu'à présent. Sachant, hein, je ne veux pas dire de bêtises, Cyril Merville, c'est pas le champion du monde des sorties. Hein. Il est très fort sur sa ligne. Ouais. Hein, il sauve beaucoup de choses sur sa ligne, mais sur les ballons aériens, il est un peu moins à l'aise. Disons qu'il est moins à l'aise, donc c'est hyper important. Moi, j'avais beaucoup aimé quand il y avait la défense centrale Poulain et Bosch, parce qu'il y avait un droitier et un gaucher. Beaucoup d'expérience de la part d'Aurélien Bosch aussi, avec Benoît Poulain. Bon, la blessure a fait qu'après Parpec soit venu. Alors, il revient. Hein, on va y revenir. Bosch, mais je crois que c'était. C'est important de retrouver une assise, c'est le plus important, parce que là, on est sur le fil du rasoir, hein. On est obligé de faire des résultats, quelles que soient les charnières qui seront mises par le coach. Hein. Et ce but, en tout cas, cette exclusion, hein, le match contre Tours, cette exclusion, c'est un peu une incompréhension de cette défense centrale, un concours de circonstances, mais bon, sur voilà, le but, bon, c'est pas forcément la défense centrale, c'est un peu le milieu qui a cafouillé, mais voilà, des fois c'est des buts un peu bêtes. Bon, il n'y a pas de but sans erreur de défense, soit, comme disait l'autre, mais c'est des petites erreurs comme ça. Pour votre côté, vous, le concurrent principal, c'est une recrue de cette année, c'est Pierre Boubi, mais là, vous avez marqué des points quand même, ça, là. Oui, moi, je me suis tenu prêt, parce que bon, je connais le métier de latéral gauche, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il n'y a pas de souci. Après, moi, ce qui est bien, même avec le coach, c'est que la concurrence, elle est saine. Moi, si, voilà, quoi, s'il est là, ou que ce soit lui qui joue ou que ce soit moi, ce sera la même chose. J'encouragerai pour qu'il donne le meilleur et ainsi de suite. Après, maintenant, c'est vrai que sur une saison, et on a besoin de tout le monde. La saison, elle est longue et on n'a pas besoin que de 11 joueurs, ou sinon, on ne pourrait pas finir une saison. Et donc, il faut tirer tous dans le même sens. Ça veut dire qu'il faut être prêt au bon moment et voilà, après. Donner le meilleur de soi-même et après, voilà, comme ça, au moins tout le monde récolte le fruit du travail et qu'on puisse apporter de la satisfaction pour Nîmes et pour le club, parce que c'est vrai que cette année, comme je le redis encore, ça va être un peu compliqué, donc il faudra serrer, il faudra y aller, ça va être beaucoup d'énergie, ça va être beaucoup de combativité,
Mais il faudra passer par là, sinon ça va être très compliqué. Sur la combativité, on avait relevé hein, Patrick lors de la rentrée, je ne sais pas comment il faut dire. Hein, mais le premier match de, oui, c'est son premier match. Disons que plus ça a été un match gagnant. C'est un match gagnant. Match gagnant, donc il a marqué des points obligatoirement. Et d'abord, on l'avait dit. Je signale hein, quand même une forme de révolte un peu. Hein, des mois, c'est bien de faire du beau jeu, on est d'accord, mais il faut aller un peu au charbon. Oui, mais justement, c'est ce qui a demandé Victor Zenka, parce qu'il sait très bien que par le jeu, ponctuellement, on va être au niveau des autres, mais ça va être dans l'envie et dans l'agressivité qu'il va falloir être présent. Et je crois que Sbahi est le joueur qui en ce moment, amène ce plus, puisque bon, il y avait Sidibé aussi sur le côté droit. Malheureusement, il est suspendu. Mais on a besoin d'un petit peu de guerrier. Ouais. Un match suspendu et un match avec sursis. Hein, bon, sa faute n'était pas bien violente. Il accroche l'attaquant, il se sacrifie. Ouais, disons qu'il n'a pas lié l'erreur de jugement de la défense centrale. Bon, il s'est sacrifié, voilà. Pierre Robat également est blessé, il est entorté. On va le revoir, ce but. Regardez, la Moussa Sidibé. Il n'y a pas grand-chose quand même. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a une grosse faute. Hein, ouais, une grosse faute. Voilà. Et on voit l'erreur entre les deux. Benoît Poulin et Boubi. Benoît Poulin essaye de revenir. Mais heureusement que... Sidibé vient bien couvrir l'axe, là, hein, parce que sinon le joueur part tout seul et va défier Merville. Hein. Donc il n'avait que cette solution à faire, il a bien fait. Voilà, l'arbitre a jugé qu'il était dernier défenseur et qu'il méritait le rouge, exclusion directe. Un match donc, de suspension, ce sera donc ce match-là hein, contre Le Mans et un match avec sursis, donc je vous le disais. Et puis sinon, il y a Habib Baldé qui est blessé. Depuis quelques mois, et bien sûr Emmanuel Correz, on pense à lui qui devrait être de retour au début de l'hiver. Tenez, on va marquer une courte pause, et puis on va écouter le coach à la mi-temps, ça se passe comme ça ici sur Croco Hebdo, et on revient pour la deuxième partie, à tout de suite. Croco Hebdo, la deuxième partie avec cette information. Hier, vous écoutez la radio, Patrick, cette information donnée par Jean-Louis Gazot en personne chez nos confrères de France Bleu Gard-Lozère. Il prépare une augmentation du capital du Nîmes Olympique avec des investisseurs américains, d'après les comme dires. Comme à Manchester United. Oui, voilà, donc. Les Américains. On va voir, puis très remonté. Le président, donc il va être soutenu par tout le monde et il aimerait qu'il y ait un peu plus de soutien, même des supporters. Donc espérons qu'il va être entendu espérons, ce vendredi. Espérons. Alors c'est vrai qu'il y a cette histoire là de l'horaire du match, hein, 18h45. Bon, c'est compliqué pour tout le monde, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il faut s'y faire. À moins que Bein Sport change. Mais pour l'instant, c'est calé comme ça. Voilà, on va pas participer à la manif, mais. Vous avez tout notre soutien et notre sympathie. Si on pouvait décaler un peu le match, ce ne serait pas plus mal. On parle de quoi ? On a parlé de la charte. On va parler de Victor Zvinka. On va écouter à nouveau ce bon Victor parler des différentes défaites, même si on préfère les victoires. Mais bon, il y a eu différentes sortes de défaites. Toujours au micro de Christophe Ché, l'analyse de Victor Zvinka. Par contre, entre le match de Caen et de Tours, je dirais qu'on est tombé sur une équipe de Caen qui était bien en place. On a complètement déjoué dans le premier quart d'heure, ce qui nous a complètement perturbé. Et puis il a fallu cette erreur de la 40e hein, pour qu'on encaisse ce but. Et c'est vrai qu'on a commencé à réagir seulement en deuxième mi-temps. Donc bon, je ne pense pas que c'était une équipe qui déjouait, parce que Caen a une équipe qui joue bien au ballon. Par contre, bon, moi, le match de Tours est complètement faussé. Hein. Au bout de 20 minutes, tu es à 10. Donc c'est vrai que tu ne peux pas faire les mêmes prestations à l'extérieur comme tu as pu en faire par exemple à Clermont pendant une heure, comme tu as fait à Sedan, comme tu as fait à Laval, parce que bon, tu n'avais pas ton équipe au complet, tu n'étais pas à 11 contre 11. Donc on a surtout subi, mais je pense qu'on a très bien subi, on a été surtout exemplaire et complémentaire, parce que quand un joueur était passé, un autre venait l'aider, chacun a fait le match que j'attendais, et donc malheureusement, il a fallu attendre cette 92e pour être puni. Puni à la 92e, comment il est le coach ? Pas de langue de bois, ça là, pas de langue de bois entre nous. Bah, on connaît le tempérament du coach, c'est un coach que, voilà, qui est, bon, il a été joueur aussi, donc c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, des fois, quand il voit qu'il y a des actions, lui aussi, il est un peu,
voilà quoi, il est un peu électrique, c'est normal parce que c'est vrai qu'on fait des erreurs. Après, maintenant, c'est à nous, le coach nous donne des consignes, après, c'est à nous de les appliquer sur le terrain parce que bon, c'est nous qui jouons sur le terrain, on est les acteurs principaux sur le terrain. Donc après, maintenant, il faut que. Faut qu'on, voilà quoi, faut qu'on. Il s'énerve quand même, pas facilement, mais il s'énerve. Hein, quoi, il s'énerve. C'est le caractère du coach, il faut l'accepter. Après, c'est son tempérament, il vaut mieux avoir un coach qui crie que. Qu'un coach qui soit un peu mou, que voilà, qui laisse faire, qu'après les joueurs c'est humain, les joueurs après ils se relâchent et y a pas de voilà quoi, après on fait des erreurs, donc là c'est vrai que là on est plus attentif et voilà, après ça nous met sur nos responsabilités, après c'est à nous de faire le reste. Comment s'est passé cette semaine là? Il y a eu une opposition, alors il y a eu un match amical qui était prévu qui n'a pas pu avoir lieu, c'était vendredi à hier. Dans le Var, et puis donc du coup le samedi vous avez joué entre vous, vous n'êtes pas fait mal, là ça va. Ouais. Il y a eu beaucoup de buts, vous avez marqué beaucoup de buts. Ouais, on va dire ça. Ouais, pour les attaquants c'est bien pour la confiance et bon c'est vrai qu'on a eu un match amical qui a été annulé au dernier moment, donc bon on a fait quand même une opposition, ça a été pas mal parce que bon on a eu 90 minutes dans les jambes et au moins on a gardé le rythme, faut pas s'arrêter parce que c'est vrai qu'on a eu ça il y a l'autre trêve internationale. Ouais. Et donc après, c'est vrai que 15 jours sans jouer, ça coupe un peu les jambes. Donc Le retour avait été compliqué. À propos, tiens, de trêve internationale, on dit un mot de l'équipe de France. En tout cas, on a posé la question à Victor Zvenka. France, non, Espagne-France, pardon, s'il vous plaît. Madrid. À Madrid, qui plus est. Les Espagnols invaincus depuis la dernière Coupe du Monde. Vous avez perdu un match à la Coupe du Monde, vous en rappeliez? Oui, contre les Suisses. Hein. Contre les Suisses. Ouais. Suisses hein. Un petit but à zéro, ouais. Champion du monde quand même, les Espagnols. Ouais. Ils sont insupportables, ces Espagnols. Ils peuvent se faire 70 passes d'affilée. Ça doit être insupportable à voir ça, non? En plus, quand on est défenseur, on a envie de tout arracher, là, non? Bah oui, surtout que bon, ils ont des équipes, des joueurs qui sont composés pratiquement que des joueurs du Real et du Barça. Donc, c'est des automatismes qu'ils ont. Ils arrivent à s'entendre, ouais. Et quand on regarde les qualifications qu'ils ont jouées chez eux, je crois qu'ils ont fait 48 matchs pour les qualifications de Coupe du Monde. Ils en ont gagné 42. Ils ont fait 6 matchs nuls et 0 défaite. 122 buts marqués et 22 encaissés. Donc, au niveau des stats, c'est vrai que ça fait un peu peur. Au niveau des stats, ça fout la trouille. Tiens, Victor Zvenka, qu'est-ce qu'il en pense de l'équipe de France et d'Espagne-France? France-Espagne, je pense que bon, ça va être compliqué pour l'équipe de France. Bon, maintenant, c'est vrai que France-Espagne est toujours compliqué, on a toujours du mal. C'est quand même les champions du monde, champions d'Europe. C'est un match, je ne vois pas l'équipe de France gagner. Ça sera court, mais je pense quand même qu'avec toute l'expérience qu'ils ont, je pense que l'équipe d'Espagne va quand même gagner ce match. Patrick, disons qu'il faudra être agressif, un peu comme Nîmes l'a fait contre la Vanneguingan. Et si on veut jouer au football contre eux, on a perdu d'avance. Mais j'aimerais voir une équipe de France peut se mettre minable, que tous les joueurs de Benzema jusqu'au dernier défenseur, d'être présents surtout dans les duels. Et que, se mettre minable. Mais je crois qu'il faut arriver à être un peu chiffonnier. Je crois que si l'équipe de France fait ça, elle gagnera en estime du public français. Je ne sais pas si c'est tellement le registre. Mais bon. Bref, allez, on va revenir à nos affaires à nous avec la réception du Mans. On dit un mot de cette équipe du Mans. On a noté plein de statistiques avec le Mans qui marque des buts mais qui en encaisse pas mal. Ils sont 9e, je ne sais plus, je ne trouve plus mes chiffres. Je vais les trouver par là. Voilà. Ils sont 7e. Ils sont 7e attaque avec 14 buts. Des buteurs, hein, 4 buts, oui. 3 buts, 3 buts. Eh bien, effectivement, il y a Frédéric Thomas qui est un milieu de terrain offensif. En 8 matchs, il a marqué 4 buts, c'est quand même, il faut le faire. Et après, il y a Silla et Cissé qui sont à 3 buts. Donc, c'est une équipe offensive qui va nous faire certainement, qui va jouer l'attaque chez nous. Donc, à nous en profiter après des espaces qui vont peut-être se créer du côté de leurs défenseurs. Et puis, du côté de la défense, justement, ça encaisse pas mal de buts également. 15 buts encaissés, 4. 14e défense. Bon, voilà, il y a des choses à faire. Oui, en sachant qu'ils ont récupéré Jeannot, l'ancien gardien de Saint-Étienne, donc qui joue aussi, qui a avec beaucoup d'expérience. Et avec les tatous. Voilà, oui, avec les tatous. Donc, c'est une équipe quand même expérimentée, qui a l'habitude quand même aussi, elle, de la Ligue 1. 16e à l'extérieur. Hein. Le Mans qui est descendu en Ligue 2, c'était fin 2010, enfin, la saison 2010. 2009-2010 et 3 saisons en Ligue 2. Là encore, hein, ça montre à quel point c'est difficile de remonter en,
en Ligue 1. Il suffit de voir quelles sont les équipes qui sont montées en Ligue 1 cette année, du reste. Le Mans, vous ne les avez pas joués depuis longtemps. Hein. Vous les aviez joués à l'époque avec Jean-Michel Cavalli en Coupe de la Ligue, hein. C'est ça, Salah ? Oui, c'est quand ils étaient en première division, on avait un Coupe de la Ligue, donc c'est là que je les avais joués. Ouais. Regardez, on a ressorti des images, alors non pas de cette confrontation-là, mais de la confrontation en Ligue 2 il y a deux saisons, 2010-2011. Avec les Limois, on reconnaît quelques têtes, on reconnaît Yacine Adou, on reconnaît également la cité, c'est au Mans, hein, bien sûr. On reconnaît, on a reconnu également David Gigliotti, qui aura son importance, hein, dans ce match-là, puisque c'est lui qui marque le but Limois, l'égalisation un partout. Je ne sais plus qui avait marqué le premier d'ailleurs, je n'ai pas fini de relever tout ça. Thierry Froger était à l'époque sur le banc, c'était la deuxième partie d'une saison ô combien difficile pour les Limois, n'est-ce pas Patrick ? Oui, on aime la difficulté du côté des Limois, on aime bien changer. Bon, mais là, on avait fait un résultat positif, c'est vrai que c'était important de ramener un point. Et les Manceaux qui étaient dans leur stade, leur ouais. Nouveau stade, dont ils sont très très fiers, qui leur coûte assez cher, mais dont ils sont je pense que oui, là. Et un poteau, voilà, on va laisser rouler ce match-là pour aller les Limois qui étaient en blanc sur ce match. Ouais, c'était les maillots à l'époque pour jouer à l'extérieur. Et voilà, ouverture. Comme à la parade. Ah oui, il y avait ce redoutable ouais. Elstadt. Ah ouais, c'était Elstadt. Un super joueur là, ouais, qui est parti après. J'aimais bien moi, Thorsten Elstadt. C'était le cousin, ouais. Ouais. Lui, il marquait des buts depuis la surface. Ouais. Il fait une passe au redoublement de passe. Sacré joueur. Vous l'aviez joué, lui, Thorsten Elstadt, ouais. Salah. Il y était, oui. Et regardez, David Gigliotti qui s'était défait pour aller en placer une au-dessus, mais la suivante. Ça sera la bonne. Au fond, lui, alors, beaucoup de talent, mais alors, un caractère vraiment très spécial qui n'a pas su. David Gigliotti, ouais. Ouais. Pas facile. Ouais. Quel souvenir vous gardez de ce premier passage au Monde Olympique, Salah Hadji ? Je garde un très bon passage. C'est vrai que la première année, on avait fini 8e, je crois. Et la deuxième année, bon, j'étais parti en janvier, donc on était aussi pareil, on était dans le milieu de tableau. Donc, c'est après hein, qu'on s'était ouais. Écoulé. Ouais, je pense que surtout à domicile, on a un très bon public ici au Costières, donc il y a une bonne ambiance et surtout et donc voilà, il faut faire après, si on fait le travail ça devrait aller parce que franchement je pense qu'on a tout pour faire, on a tout pour réussir, en plus surtout qu'on a maintenant un centre de la Bastide, donc on a tous les éléments à notre faveur pour pouvoir bien travailler, donc après il faut juste le résultat qui suive et après je pense que ça tout rentrera dans l'ordre. On voit un peu de temps, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, quand on vient de voir Zarabi, qui était capitaine à l'époque de l'équipe aussi, Gigliotti. Bon, disons que le football moderne, ça change énormément, hein, ça mute. Et voilà, superbe but de Gigliotti. Classique coup franc de David Gigliotti. Il en a mis quelques-uns, hein, je veux plus les statistiques, mais il en avait mis quelques-uns. Avec son pied droit, même depuis le côté droit justement du terrain. L'égalisation de David Gigliotti. Pour Nîmes Olympique, c'était la saison 2010-2011. Ouais. On va revenir sur le plateau avec on a parlé de France-Espagne, avec ces images que l'on vient de voir. Patrick, qu'est-ce qui sera déterminant dans le match de vendredi soir, on le rappelle au Costières, 18h45 ? Mais ça va être l'envie, l'agressivité, disons, de pouvoir se montrer. Dans le premier quart d'heure, c'est en général là où se fait la différence pour montrer à l'équipe qui vient que ce n'est pas son jour. Parce que nous, c'est un match encore, comme on le dit chaque fois souvent ici, ça va être capital d'engranger les trois points. Parce qu'autre chose qu'une victoire, ça serait une contre-performance. Et après, on s'enfermerait, on serait vraiment dans le bas du tableau. Et ça serait très, très, très difficile de ressortir de cette zone de relégation. Donc, match hyper important, match de coupe. Je crois que Victor Zenka
va aligner une équipe compétitive, surtout dans l'envie, dans l'agressivité. Il va prendre ceux qui sont le plus guerriers, je m'excuse de l'expression, mais c'est vrai, c'est un métier. Avant tout, on joue pour se faire plaisir, mais c'est quand même un métier. Les joueurs représentent beaucoup au niveau du club, et pour les supporters, se doivent de l'emporter. Il y a des moments dans la vie, il y a des rencontres qu'il faut gagner, et celle-là, dans une saison, elle en fait partie. Vous êtes conscient de cette situation-là? C'est vrai, on l'a vu, hein, le classement, ok, très bien, il y a 3 points d'écart avec le 8e, donc tout va bien. Mais s'il n'y a pas le résultat vendredi, ça change beaucoup de choses. On va rester relégable, ok, ça fout mal, mais en plus, cette fois, avec un vrai handicap. Oui, c'est sûr, mais comme j'ai dit, moi, maintenant, il faut mettre, on va dire, le bleu de chauffe. Surtout ici au Costières, les supporters, ils aiment bien voir des joueurs qui mouillent le maillot et qui donne l'agressivité, c'est la mentalité du Sud, c'est surtout la mentalité ici de Nîmes. Donc après, voilà, il faut montrer aux équipes qui viennent ici à domicile que ça va pas être facile d'être là dans tous les seconds ballons et montrer que voilà qu'ils vont pas venir ici prendre 3 points. Parce que quand j'ai vu les commentaires de Guingamp, parce que c'est vrai qu'au début de saison on n'arrivait pas à gagner à domicile, qui disait qu'ils venaient jouer pour récupérer les 3 points. Donc là, c'est pas normal. Les équipes qui doivent venir ici, ils savent très bien qu'ils vont lutter pour essayer déjà même de prendre un point, ça va être difficile. Et qu'ils savent qu'ils vont venir, qu'ils vont avoir vraiment des difficultés. Après, maintenant, c'est ça qu'il faut faire, surtout à domicile. Montrer cette agressivité-là et montrer à toutes les équipes qui vont venir à domicile qu'il n'y a personne qui va venir récupérer des points ici ou en tout cas venir faire leur jeu. Donc après, je pense que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Si après les équipes commencent à venir prendre confiance ici et jouer, ça va être un peu plus compliqué. Je crois que ce qui est important aussi, ça, il faudra marquer des buts. Hein. Là, pour l'instant, Koné est en retard par rapport à la saison dernière. Il va falloir, peut-être, il n'y a pas que lui, mais il faut qu'offensivement, on se crée quand même des occasions et les mettre au fond. Parce que pour l'instant, point de vue chiffre, on n'a pas quand même une attaque. 7 buts, hein, 7 on l'a buts, dit, hein. Ça ne fait même pas un but par match. Donc, on est quand même un peu loin du compte par rapport à la saison dernière. C'est vrai, la saison dernière, c'était le national, ok. Mais je crois que si on a des ambitions pour bien figurer dans cette Ligue 2, il faut à tout prix arriver à trouver le chemin des défilés le plus souvent possible. Là. Allez, il faut marquer et il faut mettre le pied sur le ballon, mais voilà. Le mettre sérieusement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ce nouveau Croco Hebdo. On se retrouve au Costières. Ce sera vendredi soir, 18h45. Attention, notez bien l'horaire. C'est comme d'hab. C'est comme ça. C'est un peu de bonheur. Vous pouvez arriver un petit peu en retard. Les portes restent ouvertes. Nîmes Olympique reçoit le Mans. Et puis, quant à nous, rappelez-vous, le prochain rendez-vous, l'avant-match, ce sera jeudi vers 21h15 avec Christophe chez Croco Hebdo, l'avant-match. Et puis, bien sûr, pour revoir le match de Nîmes face au Mans, ce sera lundi 19h45. Et puis de nouveau Croco Hebdo mardi 19h45. Voilà, je vous ai tout dit, les horaires et tout ça. Merci encore, Salah, d'être venu jusqu'à nous. Merci, Patrick. À très, très bientôt. Très bonne soirée sur TV Sud.